VE Radio de Vie. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Nous sommes très, très heureux d'être là ce soir, d'être enfants de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Le Seigneur fait son œuvre et nous le bénissons pour cela. Père, nous, Yeshua, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour mes bien-aimés qui sont présents. Merci pour ceux et celles qui sont chez eux, qui sont connectés, Seigneur, et qui sont assoiffés, amoureux de la vérité. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà. Joël, Edwige, Pancien, Trésor et Poupon, comment allez-vous? Ça va, par grâce de Dieu. Dieu fait grâce? Oui, Dieu fait grâce. Il est allumé le micro, là, parce qu'il n'y a pas de... Oui, il est allumé. C'est parfait. Alors, le retour, on va nous aider pour qu'on s'entende bien. Là, parfait. Merci, merci. Nickel. Alors, Edwige, comment vas-tu? Ça va, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merci. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes sœurs qui sont là, aux femmes qui sont là, qui te regardent juste à cette caméra-là, devant? Je peux juste leur dire de s'accrocher à Dieu et de continuer à avoir la foi. Mm-hmm. Et de persévérer dans la prière. Parce que le combat est là et sans Dieu, on peut rien. Mm-hmm. Il faut que Jésus soit là. Il faut qu'il soit au centre de toute chose. Mm-hmm. Peu importe ce qu'on peut vivre tous les jours, il faut garder la foi. Amen. C'est pas toujours évident. Je pense que la première chose que j'ai reçue de Dieu quand je me suis convertie, c'était sans la foi, on ne peut rien faire. Uh-huh. C'était Hébreux 11:6. Wow. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec tout le monde. Gardez Hébreux 11:6 dans vos cœurs. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mm-hmm. Voilà. Peu importe ce qui peut nous arriver, de s'accrocher au Seigneur, mm-hmm. de garder sa foi, d'avancer avec Dieu, de se relever tous les jours et de dire merci Seigneur, parce que si je suis là, c'est grâce à toi. Merci Seigneur, si je peux faire telle ou telle chose, c'est vraiment parce que tu es à mes côtés. Mm-hmm. On ne peut pas se dire tous les jours qu'on se réveille, enfin qu'on dort et qu'on se réveille par notre propre force. Mm-hmm. On dort et on se réveille parce que Dieu est avec nous, parce mm-hmm. que Dieu veut qu'on soit là. Amen. Donc c'est une grâce, la foi. Elle vient d'où cette foi alors? De ce que l'on entend. Amen. Gloire à Dieu. Je vois que tu as bien été enseigné par le Seigneur, en tout cas. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, mes amis, nous allons procéder par des questions et réponses. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas pu nous joindre, que vous n'avez pas pu nous joindre au téléphone pour éventuellement nous poser vos questions. Alors, nous voulons ce soir, mes amis, vous donner cette opportunité, et également à vous qui êtes sur le plateau, et pour poser toutes sortes de questions. Hein, posez-moi toutes sortes de questions et nous allons vous répondre avec la parole de Dieu. Hein, parce qu'il y en a qui disent que je fais des appels de fond pour c'est pas biblique, c'est pas machin, c'est pas... Alors, il y a toujours des gens qui parlent parce que malheureusement, on ne peut pas les empêcher de parler. Hein, et je crois qu'il y en a, ils ont la langue complètement pendue. Et, il faut peut-être les délivrer. Voilà. Donc, ça, c'est des jaloux. C'est des gens qui ne font pas l'œuvre et qui veulent toujours parler et puis... et qui sont contre la révision de la Bible, voilà. Alors, parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas faire ce travail-là. Voilà. Donc, mais nous bénissons le Seigneur parce que son œuvre se fait. Les gens sont éclairés, les gens sont délivrés. Et c'est ça le plus important. Alors, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Et nous allons vous répondre avec l'évangile de Yeshua. Voilà. Donc, Dieu est bon. Moi, j'aurais une question. Mm-hmm. Et en fait, elle est simple, mais en même temps... C'est pour éclairer aussi le grand nombre. Mm-hmm. Je sais que récemment, tu as eu un enseignement sur la fin des temps, mm-hmm. sur l'eschatologie. Et il y a un point, en fait, qui dérange beaucoup de chrétiens. Mm-hmm. Ça concerne, en fait, l'enlèvement de l'Église. Mm-hmm. Est-ce que l'Église va vivre la grande tribulation ou pas? Voilà. Très bonne question, Joël. Et alors, comme je disais, nous sommes dans une génération tellement corrompue. Hein, avec la banalisation de la communication aujourd'hui, c'est-à-dire Internet qui se généralise, hein, et la téléphonie également, avec ces moyens de communication modernes que nous avons aujourd'hui, eh ben, nous avons en même temps une prolifération des prophètes, des docteurs qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, qui ne sont pas appelés et qui se mettent à faire des vidéos, qui se mettent à faire des blogs, des sites
pour diffuser leurs enseignements. Et malheureusement, ils ont aussi des adeptes qui les suivent. Donc, c'est aussi l'accomplissement de la prophétie biblique. Donc, du coup, il y a tellement d'enseignements erronés sur Internet que ça jette le trouble. Et beaucoup se posent des questions, mais quel enseignement est digne de foi? Où sont les vrais prédicateurs, les vrais enfants de Dieu? Et l'Église va-t-elle passer par la grande tribulation ou pas? Non, l'Église ne passera pas par la grande tribulation, tout simplement parce que la grande tribulation est une période, selon les Écritures, non selon Chora, qui ne concerne aucunement l'Église. Et nous allons rapidement prendre la parole. Nous allons rapidement prendre la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 30, Joël, le verset 7. Parce que tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Tout le monde n'est pas... On peut prêcher l'évangile, mais l'enseignement, il faut être d'abord enseigné de Dieu et aussi enseigné des hommes que le Seigneur aussi a appelés. Hein? Donc, Paul a reçu quand même les bases... Il était chez Pierre, il a eu quand même le témoignage de Christ par Pierre et Jacques, tout ça. Et ensuite, le Seigneur est celui qui l'a plus enseigné, c'est vrai. Donc, Jérémie 30, 7. Jérémie, chapitre 30, verset 7. Malheur que ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Il sera un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera pourtant délivré. Ok, malheur, n'est-ce pas, que ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. D'accord? Il sera un temps de détresse pour Jacob. Mais il en sera pourtant délivré. Donc, on apprend ici que ce jour est grand. De quel jour? Hein? Malheur, car ce jour est grand. Et on nous dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. D'accord? On nous dit au verset 8, et il arrivera en ce jour-là. Donc, quand vous entendez en ce jour-là, en ce temps-là, il est question, bien sûr, du temps messianique. Il est question du jour où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes. Et en ce jour-là, dit Yahweh, des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et les étrangers ne t'asserviront plus. Il est question d'Israël ici. Il n'est pas question de l'Église parce que l'Église n'est pas asservie. N'est-ce pas? L'Église n'est pas asservie. Or, il est question d'Israël parce que Israël est encore asservi aujourd'hui par d'abord le péché, parce qu'on voit ce qui se passe à Jérusalem, par aussi les nations étrangères et tout ça. Et Dieu dit que c'est un jour grand qui n'a pas de pareil, de semblable, qui n'a pas de précédent. Alors, allons voir dans Matthieu chapitre 24, parce que Yeshua va reprendre la même chose. Et hein, la même chose, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Et voilà, nous lisons à partir du verset 21. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Voilà, on nous dit que car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, il est question ici, bien sûr, du temps de la grande tribulation. Il est question ici de la grande tribulation. Et on nous dit, Yeshua va reprendre les mêmes termes que Jérémie, en disant que ce jour n'a pas de précédent. Et c'est un jour sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et regardez au verset, au verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. D'accord? Et au verset 19, malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Voyez? Et on va encore plus loin. Et au verset 15. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, et être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes.
D'accord? Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre, pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Voyez, donc, le Seigneur dit que il dit aux apôtres, quand ce jour viendra, hein, courez, fuyez dans les montagnes. Alors, si on lit Jérémie, comment Ésaïe 2 et Michée 4, les montagnes représentent les nations. D'accord? Et quand on va dans Joël 3, on apprend que les Juifs, n'est-ce pas, vont de nouveau quitter Jérusalem pour aller se réfugier dans les nations pendant la grande tribulation. Parce que Israël sera coupé en deux. D'accord? Partagé par les nations. Les nations vont envahir Israël, selon Joël, selon Zacharie 14, selon la prophétie biblique. Donc on voit bien que l'Église n'est pas concernée par la grande tribulation parce que la grande tribulation va être déclenchée par l'abomination de la désolation dans le saint, dans le lieu saint, dans le temple de Jérusalem. Et on ne parle de la Judée. Ici, ce n'est pas, on ne va pas faire une interprétation allégorique. D'accord? On doit faire une interprétation littérale. Donc il est question ici de la Judée, c'est-à-dire d'Israël, d'accord? Et parce que la Judée aujourd'hui, c'est Israël, hein, donc la Judée dont la capitale était Jérusalem. Et il n'est pas question ici de Paris, de France, de l'Europe, de la France, de la Belgique. Il est question de la Judée. Et la Judée, géographiquement, ne se trouve pas en Afrique, ne se trouve pas en Europe. Elle se trouve en Judée, c'est-à-dire au Moyen-Orient. D'accord? Donc, il faut connaître un peu la géographie. Alors, il faut que ces gens soient enseignés parce qu'il y a vraiment un mélange. Et il y a plein d'autres passages bibliques qui nous montrent que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Déjà, nous avons ce passage-là. Nous sommes toujours dans Daniel. Nous allons dans Daniel chapitre 9. Nous avons quelqu'un en ligne. On va vous recevoir dans quelques secondes. Daniel chapitre 9. Et Daniel n'est pas parmi. Nous sommes dans. Comment? Ouais, Daniel chapitre 9. Hein, nous sommes dans la page. Voilà, 802. Daniel chapitre 9, verset 24. Daniel 9, 24. Alors, ici, c'est la prière. La réponse que Dieu donne à la prière de Daniel, parce qu'il pleurait sur son pays, il pleurait pour son pays parce que il s'était rendu compte, hein, une fois qu'il est tombé sur les écrits de Jérémie, il s'est rendu compte que 70 ans après la captivité des enfants d'Israël, Dieu n'était toujours pas intervenu. Alors Daniel prie, Daniel pleure, Daniel jeûne, et Gabriel va être envoyé par le Seigneur pour parler à ce prophète. Et au verset 24, l'ange dit: il y a 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché, faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et la prophétie, et pour oindre le saint de saints. Voilà. Donc on nous dit que 70 semaines étaient fixées sur Jérusalem. Et l'ange dit sur ta ville sainte. Or, il n'y a pas deux villes saintes, il n'y en a qu'une. C'est Jérusalem. Donc on voit bien que la grande tribulation, parce que les 70 semaines ici concernent aussi, n'est-ce pas, il y a une semaine qui concerne la grande tribulation, c'est-à-dire les 3 ans et demi, la moitié de cette semaine-là. Donc on voit bien que il est question ici de la ville sainte. D'accord? Donc Joël, ceux qui disent que l'Église va traverser la grande tribulation, vous savez d'où ça vient cette doctrine? Cette doctrine vient des Américains, pas tous, hein, d'un groupe d'Américains qui prêchent qui donne un enseignement sur the kingdom now, le royaume maintenant, d'accord? Et ça vient encore même bien avant les Américains, si ma mémoire est bonne, et ça vient même de Marcion. Donc c'est-à-dire Marcion était disciple de Simon le magicien. Marcion est le premier homme à avoir utilisé les expressions Ancien et Nouveau Testament. Parce qu'il voulait justement, il était judéophobe, antisémite, et il voulait, n'est-ce pas, séparer les chrétiens
de leur héritage juif. Voilà comment Marcion va enseigner au début du deuxième siècle, après Jésus-Christ bien sûr, en disant qu'il y a un Dieu pour l'Ancien Testament, qu'il a nommé Démiurge, c'est-à-dire une divinité égyptienne, et il y a un Dieu pour le Nouveau Testament, pour le Dieu de chrétien. Donc, il a été le premier homme à, n'est-ce pas, ouvrir la voie à l'antisémitisme que l'on voit dans le christianisme, à la judéophobie, à l'antipathie, la haine que certains chrétiens ont contre les juifs. Et Marcion en est le fondateur. Et il y a eu certains pères de l'Église qui l'ont suivi, bien sûr. Alors, cette doctrine qui dit justement que The Kingdom Now dit que toutes les prophéties relatives à Israël doivent être attribuées à l'Église. Pourquoi ? Parce que ils estiment, selon eux, que l'Église a remplacé Israël. Donc, c'est une doctrine qu'on appelle la doctrine du remplacement, hein, ou de la substitution. C'est-à-dire l'Église, hein, n'est-ce pas, s'est substituée à Israël. Et voilà comment, parce que cette prophétie que nous avons lue ici, nous parle de la grande tribulation qui concerne Israël, et voilà comment ces hommes qui enseignent cette fausse doctrine disent, eh ben, il est question de l'Église ici. Vous voyez? Parce que l'Église est devenue Israël. Et quand on voit dans Apocalypse chapitre 11, Joël, chapitre 11, Apocalypse 11, le verset premier, on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas, car il est donné aux gentils, c'est-à-dire aux nations, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant combien de temps? Pendant 42 mois. Ils fouleront les nations, c'est-à-dire les gentils. Hein, les nations vont fouler aux pieds la ville sainte. Donc on voit bien que tous les prophètes bibliques s'accordent sur l'endroit où va se dérouler la grande tribulation. D'accord? Donc, elle va bien sûr s'étendre sur les nations. Mais là, on nous dit que la ville sainte sera donnée aux nations pour qu'elle soit foulée. Et ça correspond à la prophétie de Luc 21 où Yeshua disait « Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est grande et proche. » D'accord? Et vous savez que pendant la grande tribulation, c'est-à-dire ça va durer 3 ans et demi, 42 mois ou encore 1260 jours. Pendant la grande tribulation, selon les Écritures, selon Apocalypse 15 et 16, Dieu va déverser les 7 coupes de sa colère sur les nations, sur le royaume de l'homme impie. Or, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 5, 9, il nous dit que nous n'avons pas été, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Donc, l'Église ne va pas traverser la grande tribulation. L'Église sera toujours persécutée. Elle a toujours été persécutée. Les vrais chrétiens, les vrais croyants ont toujours été persécutés. Mais la grande tribulation est une période bien définie qui concerne Israël, parce que Dieu va s'en servir de cette période justement pour épurer Israël. Parce que Zacharie nous dit que les deux tiers seront épurés, nettoyés, n'est-ce pas, donc exterminés, et Dieu va sauver un tiers. Donc on voit bien que c'est une période qui concerne Israël, et nous ne sommes pas Israël biologique, physique. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple selon Romains chapitre 11. Donc il ne faudrait surtout pas oublier que la Bible est un livre d'abord juif. Il ne faut jamais l'oublier. Sauf Luc. Les 39 autres auteurs qui l'ont écrit étaient juifs. Et souvent on l'oublie. D'accord? Et les apôtres posaient des questions à Jésus-Christ par rapport à son retour en fonction de leur propre pays, Israël, d'accord? La restauration du royaume davidique. Donc, il ne faut pas que les gens l'oublient. L'Église n'a pas commencé à Rome, parce que ça a été transféré là-bas, le siège, hein? Donc à Rome, avec la papauté. Donc, du coup, ben, les chrétiens issus des nations croient que ça a commencé à Rome, au Vatican, et d'ailleurs même pour réviser la Bible, il faut recevoir l'autorisation romaine du Vatican, parce qu'ils vont te dire, mais t'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Si Dieu me demande de le faire, pourquoi n'aurais-je pas le droit? Voilà.
Que Dieu soit béni. Alors, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, frère Chora. Oui. Oui, ma question est celle-ci. Bon, c'est un peu long. Alors, pendant les milléniums, nous serons avec le Seigneur sur la terre. Et tout... les restes de ceux qui ne seront pas enlevés seront aussi sur la terre. Tout à fait. Ok. Alors, à ce moment-là, Satan est aussi enfermé pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, tout à fait. Voilà. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment maintenant les restes des habitants de la planète Terre vivront maintenant à cette époque-là, ou à ce temps-là, puisque le tentateur est enfermé? Seront-ils encore tentés? Ou quel genre de vie vivront? Et ma deuxième sous-question est celle-ci. C'est comme s'il y aura une partie où nous sommes dans le millénium et les restes de la planète Terre, je ne sais pas, je n'arrive pas à me retrouver. Vous pouvez me préciser. Ok, très bonne question, frère. Donc, on va prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et nous lisons à partir du verset 31. Voilà, Matthieu 25, verset 31. Et Edwige, est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Matthieu 25. C'est vert, hein? Ok, c'est pas encore vert. Matthieu 25, 31. Ok, c'est parfait. Or, quand le Fils de l'homme viendra, environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ok. Et regarde, tu peux lire maintenant le verset 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, donc là, Jésus-Christ revient avec l'Église. On nous dit qu'il revient avec tous ses saints. Hein? Avec les saints anges, donc Jude nous dit qu'avec tous ses saints. Donc il y a les anges, il y a nous, tout ça. Et donc après l'enlèvement, donc Jésus-Christ revient. Et on apprend que il va séparer les brebis d'avec les boucs. D'accord? Alors, dans ce passage-là, nous avons trois groupes d'individus. Trois groupes. Le premier groupe est représenté par les brebis. Bien sûr, il ne s'agit pas ici des brebis de l'Église. Hein. Il est question des personnes qui se convertiront pendant la grande tribulation. Parce que Apocalypse chapitre 7 nous dit que pendant la grande tribulation, beaucoup de personnes vont se convertir. Donc, ces convertis de la grande tribulation représentent ces brebis. Le deuxième groupe est représenté par les boucs. Bien sûr, donc les brebis représentent aussi le blé de la parabole du blé et de l'ivraie. Les boucs, le deuxième groupe, représente toutes les personnes qui n'ont pas voulu se convertir. Les inconvertis, les incroyants, les païens. Et le Seigneur, quand il va revenir, il va donc prendre ces boucs, le deuxième groupe. Donc les boucs, les incroyants, les livrés, représentés par livrés. Le Seigneur va prendre ces boucs et il va leur dire, vous êtes maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ces boucs seront donc livrés, jetés vivants dans les temps des feux, dans les temps de feu, dans le lac de feu. Tout de suite, Dieu va les jeter tout de suite dans les temps de feu. Il va nettoyer la terre. Donc, bien sûr, là, Satan est déjà enfermé avec tous les démons en prison. Donc, les boucs sont jetés vivants dans les temps de feu. Le troisième groupe est représenté par les petits frères de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, n'est-ce pas, au verset 35, au verset 35,
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors le roi répondant leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, les plus petits des frères de Jésus représentent bien sûr les Juifs. Parce que dans Psaume, il y a un psaume qui disait, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Hein? Donc, il n'a pas honte d'être appelé leur frère. Donc, Jésus-Christ est, bien sûr, le frère aîné, n'est-ce pas? Parce qu'il a reçu le droit d'aînesse. Il est le frère aîné de tous les Juifs physiques. D'accord? Et Jésus-Christ, homme, bien sûr. Et les Juifs biologiques, hein, donc les descendants biologiques d'Abraham. Et là, on voit ici les trois groupes d'individus. Donc, premièrement, il y a les brebis, c'est-à-dire les personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Deuxièmement, il y a les boucs, les païens. Troisièmement, il y a les juifs. Et pendant la grande tribulation, les juifs seront en prison, seront dévêtus, seront persécutés, seront privés de nourriture. Et il y a ces chrétiens qui vont leur venir en aide. Comme lors de la persécution des juifs sous Hitler. Hein, il y a beaucoup de Français, quelques Français qui leur étaient venus en aide, qu'on a nommés, qu'on appelle jusqu'à ce jour les justes, qui cachaient les juifs. Voyez. Donc, et cette, n'est-ce pas, situation va se répéter pendant la grande tribulation, et ces chrétiens-là, convertis, ces brebis, vont venir en aide aux juifs. Alors le Seigneur va aussi les récompenser. Et dans Matthieu 10, le Seigneur disait, celui qui donnera un verre d'eau à un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète ou un juste en qualité de juste ne perdra pas sa récompense. Donc le Seigneur ici accomplira cette promesse. Et donc maintenant, la terre, une fois débarrassée de Satan, le démon, liée selon Apocalypse 20, jetée dans l'abîme, débarrassé des inconvertis, des païens, le Seigneur va maintenant établir son royaume, le millénium. Il va restaurer Israël, il va restaurer la terre pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, dans ce royaume, il y aura l'Église, les chrétiens de l'Église, les saints de l'Église, de la grâce, qui auront vécu, pour ceux qui sont morts, la résurrection, et pour ceux qui sont vivants, l'enlèvement. Ils auront vécu, n'est-ce pas, la glorification, ils auront connu la glorification de leur corps. Donc ils vont revenir, ils vont avoir des corps glorieux. Ils seront ni femmes, ni hommes, ils ne pourront plus se reproduire parce qu'ils seront comme des anges, comme le Seigneur le dit. Et donc c'est l'Église. Deuxièmement, il y a les brebis qui vont entrer avec les Juifs, les brebis et les plus petits frères de Jésus, ils vont entrer dans ce royaume avec leurs corps normaux. C'est-à-dire, ils vont continuer à avoir des enfants. Les femmes vont continuer à faire des enfants, contrairement à l'Église. Mais nous serons tous membres de ce royaume. Voilà comment ça va se passer. Et le Seigneur, pendant ce royaume, pendant son règne millénaire, il va, en fonction de notre fidélité, il va attribuer des villes, la gestion des villes, de certaines villes, aux uns et aux autres. Et selon Ésaïe 1, 26, Dieu va restaurer le gouvernement théocratique. C'est-à-dire, il va restaurer l'époque des juges. Et il le dit si bien dans Ésaïe 1, 26, que je vais lire rapidement. Il dit ceci, notre Dieu... Mais je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement.
Après cela, on t'appellera la cité de la justice, la ville fidèle. Voilà. Allô? Oui, allô, allô, merci beaucoup. Je suis à Munich. Et c'était une question vraiment qui nous tourmentait beaucoup. Merci encore pour l'explication et je vais continuer à vous suivre encore. Alors, merci encore, Fréchora. Que Dieu soit béni. Bon courage. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci, frère. Merci. Que Dieu soit béni. Voyez, frères et sœurs, les questions et réponses. Donc, la ligne est ouverte. Et appelez, posez des questions. Même toi qui dis qu'on fait des appels de fonds, alors qu'on ne vole personne, tu peux appeler pour poser des questions et nous allons te ramener à l'évangile. Voilà. Parce qu'il y en a qui retiennent deux ou trois versets, ils commencent à dénoncer, ils pensent qu'ils ont déjà fait le travail. Et ils ont besoin de s'asseoir et d'être enseignés correctement. C'est important. Parce qu'on peut dénoncer des choses aujourd'hui, demain on commence à regretter. Voilà. Dieu est le premier à avoir fait un appel de fonds. C'est dans la Bible. On va vous démontrer ça un jour. Voilà. Il y a des gens qui font appel de fonds pour leur poche. Il y en a à qui Dieu donne une vision. Il leur dit, partagez cette vision à mon peuple et mon peuple va soutenir pour que la vision soit concrétisée. Alors, il ne faut pas confondre les choses, parler pour parler. Voilà. Vous savez, si on devait agir charnellement, il y en a, on allait vraiment les confronter pour les humilier avec la parole de Dieu, avec la parole. Mais comme le combat n'est pas charnel, nous devons être sages et être des hommes spirituels. Voilà. Que Dieu soit béni. Parce que on confond tout, tout est mélangé dans la tête des gens et tout le monde se donne la fonction de prophète pour dénoncer, pour parler alors qu'ils n'ont jamais fait aucune œuvre, ils n'ont jamais fait une œuvre, voilà. Et Dieu est fidèle, frères et sœurs, parce que vous savez quand on présente des projets aux frères et sœurs et surtout qu'il y en a qui dénoncent comme ça, qui vont critiquer, ils sont les premiers à recevoir nos enseignements, ce que Dieu nous donne. Mais c'est l'enseignement que vous recevez. Mais c'est des frères et sœurs qui soutiennent financièrement et qui nous permettent de pouvoir diffuser sur TV de vie. Et derrière, vous prenez les enseignements et vous osez parler aujourd'hui. Mais c'est la confusion. Les gens ont besoin de s'asseoir et d'être enseignés. Voilà. Voilà. Il y a des projets dans la Bible. Il y a des gens qui avaient reçu des projets, des visions. Ils ont présenté aux frères et sœurs et Dieu a soutenu, a touché les cœurs. Voilà. C'est biblique. Nous ne sommes pas là en train de nous enrichir avec l'argent du Seigneur. Les signes sont là, les fruits sont là. Dieu nous fait grâce, frères et sœurs, parce qu'il faut signifier les choses quand même. Avant de répondre à la question, je ne sais pas si on peut le balancer quand même quelques images. Et par la grâce de Dieu, il y a 12 ans, Dieu nous a donné 110 000 euros. On a pu acheter sans crédit des bâtiments à Courcouronne. Mes amis, pour ceux qui ne savent pas, il y a 10 ans de cela. Et on a mis là-dedans une épicerie solidaire. Et chaque mois, Dieu nourrit près de 200 familles. Chaque mois et gratuitement. Chaque mois. D'accord? Et par la grâce du Seigneur. Et des gens qui sont dehors et actuellement, nous hébergeons des SDF dans ces locaux. Il y a plus d'une dizaine, je crois, si je ne me trompe, et qui sont logés là-dedans. Et des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de toit, qui étaient délaissés. Et ils sont en train de dormir dans ces locaux et qu'on a pu acheter grâce au Seigneur et tout ça. Donc, je crois que ceux qui parlent, ils parlent parce qu'ils connaissent rien. Au lieu de poser des bonnes questions, et ça va parler sans connaître les histoires, l'origine des choses. C'est vraiment la confusion. Je crois que il n'y a pas un peuple aussi un culte que ce peuple que Dieu nous. Mais ce peuple, le peuple humain, voilà. L'homme est parfois, le manque d'intelligence, le manque d'information peut tuer les gens. Non, c'est la jalousie. Il y a aussi la jalousie. Moi, je pense que c'est un problème de jalousie. Mm-hmm. Parce que, comme tu dis, il y a 10 ans en arrière, effectivement, il y avait déjà ces aides-là qui étaient données. Mm-hmm. C'est vrai que c'était peu, mais il y en avait quand même. Si Dieu permet qu'elles puissent être plus grandes et plus élargies par rapport aux familles qui sont en difficulté, dans la mesure où on est dans une période qui est très difficile pour mmh. beaucoup de personnes, mmh. même ceux qui travaillent n'arrivent pas à s'en sortir. Mmh. Si aujourd'hui on peut aider une plus grande population, pourquoi ne pas le faire ? Mmh. Pourquoi ne pas le faire ? Parce que c'est avec l'argent du Seigneur qu'on le fait. On prend pas l'argent du Seigneur pour jeter dans les poubelles. Au contraire, il y a des familles qui souffrent, il y a des parents qui sont dans les difficultés malgré le travail. Il y a beaucoup de sociétés qui ferment aujourd'hui. Des couples qui se retrouvent des fois les deux en même temps sans emploi. Et certains chrétiens ne veulent pas qu'on parle de tous ces projets pour que ceux qui ont les moyens, comme la parole le dit, celui qui avait plus, hein,
n'en avaient pas, il n'y avait pas de surplus. Non, ils ont toujours le mot dans la bouche pour dire que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais ce n'est pas simplement dans la prière. Les gens doivent manger aussi. Il faut des actes concrets, effectivement. Parce que c'est facile d'être derrière un écran et de se mettre à parler et de ne jamais aller à la rencontre des gens qui souffrent pour leur venir en aide. Donc, voilà. On a quelqu'un en ligne pour une question. Et les images, sont-elles prêtes ou pas? OK. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais avoir un renseignement par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la tribu de Judas. Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Mais Judas n'est pas le premier fils de Jacob. Et pourquoi c'est Judas qui est le lion de la tribu? Et pourquoi il est le lion de la tribu de Judas? Et pourquoi pas le premier fils de Jacob? Voilà. Ok frère, très bonne question. Et nous sommes dans Romains chapitre 9, le verset 16. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Oui. Est-ce que tu peux nous lire Romains chapitre 9, verset 16, s'il te plaît? Chapitre 9, verset 16. Oui. Voilà. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 14. Que dirons-nous donc? Qu'y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ensuite. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase de mise à huile? Donc, tu as compris? Dieu fait ce qu'il veut. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Ok. On oublie qu'il est souverain, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et très souvent, nous avons tendance, malheureusement, à le convoquer à la barre. Et donc, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, hein, de Dieu qui fait miséricorde. Par contre, j'avais trouvé une réponse, mais je n'étais pas sûr. Ben, c'est ça. C'est... J'avais trouvé une réponse selon les Écritures qui disait, parce que le premier fils de Jacob avait couché avec la femme de Jacob. Alors, j'ai dit, peut-être c'est pour cette raison aussi que... Ouais, mais Judas était n'était pas le deuxième. Mais il est le troisième. Judas était le troisième. Voilà. Il aurait pu... Pourquoi Judas? Parce que, premièrement, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Deuxièmement, parce que le nom de Judas même était un nom prophétique. Si l'on veut maintenant rentrer dans la prophétie. Hein, donc la première réponse, c'est Dieu fait ce qu'il veut. La deuxième réponse, c'est une réponse prophétique. C'est-à-dire, le nom de Judas est un nom prophétique. Nous sommes dans Genèse, chapitre 49. Bien sûr, Ruben avait souillé la couche de son père, c'est vrai. Et mais il y a aussi une raison prophétique à cela, parce que si on suit cette logique-là, on pouvait dire ben pourquoi Judas, parce qu'il était le troisième. Voilà, donc nous sommes dans Genèse 49 et nous lisons à partir du verset 8, pardon. Judas, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Voilà. Donc, c'est Jacob qui a prophétisé. Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens du carnage. Mon fils,
Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Le sceptre, donc nous sommes dans, c'est le royaume ici. Il attache à la vigne son anon. Il attache à la vigne son anon. Donc l'anon est lié à Judas. On comprend pourquoi Yeshua était assis sur un anon. Et on comprend aussi pourquoi il a dit qu'il est la vigne. Dans Jean 15. Et au sceptre excellent le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin. On comprend pourquoi dans Apocalypse 19, il est dit que son vêtement est teint de sang. Et son vêtement dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. On comprend pourquoi les yeux de Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, sont rouges. Donc, Jacob a prophétisé par l'esprit que Judas, n'est-ce pas, serait le prince de tous ses frères. En fait, le mot Judas, le nom de Judas, signifie aussi louange. Voilà pourquoi il dit que ses frères allaient le louer. Donc, louange. Et on sait tous que, en fait, quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, avant d'entrer à Canaan, pardon, ils ont posé la question au Seigneur, selon Juge, qui de nous montera le premier? Et Dieu a dit Judas. Littéralement, la Yeshua. Voilà pourquoi il est le premier en tout. D'accord. Voilà pourquoi la louange doit monter avant toute chose. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni, frère. Bon Dieu bénisse les autres. Hein. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a besoin de la parole, frères et sœurs, c'est important. Et vous savez, Dieu, la connaissance qu'il donne à ses enfants, on va pas s'en servir pour pouvoir démontrer quoi que ce soit. Mais nous voulons aussi, avec la parole, fermer la bouche des détracteurs. Fermer la bouche parce que et les gens parlent parfois des choses qu'ils ignorent. Vous voyez, pour aussi aider. Hein, donc, quand les gens vont dire, par exemple, certains, pourquoi réviser la Bible? Pourquoi ne pas la Bible seconde? Parce qu'on a la Bible seconde depuis des années. Mais les gens sont, ces gens sont vraiment incultes. Excusez-moi, mais ils sont vraiment incultes. Ils manquent la culture générale, même l'histoire même de l'Église, ils connaissent pas. Parce que la Bible de Louis Segond, la première Bible Segond a été éditée, publiée en 1880. C'est-à-dire au 19e siècle. Donc, maintenant la question que je pose, avant 1880, les gens avaient quelle Bible? Parce que Louis Segond n'était pas encore là. Vous voyez? Pas du tout, mais justement, le micro, tu disais? Je disais, est-ce que ces mêmes personnes vont voir aussi ce qui se passe au niveau du Robert, qu'on utilise les dictionnaires comme le Larousse, ce qui sont révisés régulièrement, et des nouveaux mots qui rentrent? En fait, donc, est-ce qu'ils mettent en doute aussi ces personnes-là qui révisent? C'est un problème c'est un problème de connaissance, d'instruction aussi pour certains, d'incrédulité pour les autres, de méchanceté pour certains aussi. Donc la jalousie, tout ça. Et une grande partie, c'est vraiment l'ignorance. C'est la colère et la méchanceté. En fait, moi, je pense que c'est surtout entre nous aussi en tant que Africains. Je pense que c'est ça. On n'a pas envie que notre frère réussisse. Voilà, c'est ça. On le voit dans beaucoup de choses. On le voit partout. On passe dans l'administration. Des fois, quand on rencontre une personne qui est noire, excusez-moi du terme, mais des fois, ça passe pas toujours facilement, en fait. C'est comme si que, voilà, on se dit tiens, l'autre, il est. Je suis supérieur à la personne que j'ai en face de moi. Donc, j'ai pas envie, en fait, que mon ami qui est comme moi avance, prospère. On a toujours je sais pas, c'est pas dans notre culture. Je peux pas dire que c'est dans notre culture, je veux dire, c'est plutôt problème mental, je pense. C'est aussi dans la culture africaine. Malheureusement, il faut le dire. C'est dans la culture africaine. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. C'est comme entendre l'esclavage, excusez-moi. Celui qui nous vendait, c'était notre propre frère. Effectivement. Pour quelques pièces, il te vendait toi pour que tu puisses partir en souffrance. Effectivement. Donc, on est toujours dans cette optique-là. On n'en a pas fini. Effectivement. Tous les jours, on dit oui, 150 ans, l'esclavagisme a été aboli. Mais en fait, on reste nous-mêmes dedans. On se plaît dans notre servitude. C'est ça.
C'est ça, c'est exactement ça, parce que, comme je disais, beaucoup, il y en a qui vont dire, mais oui, mais il fallait, on a la Louis II, ça nous suffit. Mais Louis II a été publié pour la première fois en 1880. D'accord? Et révisé, un an après sa mort. D'accord? Un an après sa mort. Et elle a été révisée aussi en 1910. D'accord? Révisée encore en 1978. La Bible de la Colombe, révisée encore en 1979, la second la NEG, hein, donc nouvelle Bible second révisée, d'accord, et révisée encore en 2002, la NBS, d'accord, où l'on a enlevé carrément le mot repentance, remplacé par changement radical. C'est une insulte. Et révisé encore en 2007 avec la seconde 21 qui est quand même pas mal parce que la seconde 21 a pris, s'est alignée un peu sur les Bibles traduites à partir des textes majoritaires, des Bibles comme la Martin, l'Osterwald, la Bible de l'Épée, la Bible de Genève, la Bible de Sassy et il y a plein d'autres versions que je ne veux pas forcément citer ici. Voilà. Donc, et c'est l'ignorance, tout simplement, et aussi la jalousie, et les gens comprennent les choses à l'envers. Donc, je crois qu'on va davantage expliquer les gens avec la parole, et ceux qui sont de Dieu, ils vont comprendre, et que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui décide. Si Dieu dit que, il dit à quelqu'un, faites-moi ce travail, faites à un groupe de gens, faites-moi ce travail, qui peut s'y opposer? Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, n'en déplaise aux gens, mais Dieu fait son travail et puis on avance. Justement, pour revenir à ce que tu dis, et je bénis vraiment Dieu parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance et il sait ce qu'il fait. Et par rapport à la BJC, je parle parce qu'il y a deux semaines apparemment, la LERGA, c'est ça, non? La LERGA, ben, ils ont voté avec le Vatican, tout ça, pour toutes les versions qu'il y a aujourd'hui, le second, tout ça, qu'ils vont retirer une centaine de versets dedans. Qui parle en fait du sioniste, enfin qui parle des juifs et ça plaît pas aux juifs, ils vont les retirer. Ah, tu vois. Donc c'est à dire que les bibles qui vont sortir récemment là, prochainement, elles seront encore plus corrompues qu'elles le sont déjà maintenant. Voilà. Et les gens en fait, ils se rendent pas compte que voilà, les instituts bibliques sont dirigés par des gens qui sont pas forcément chrétiens. Et les gens, parce que le problème c'est, vous savez, dans la culture de beaucoup de gens, dans leur mentalité, on leur a fait croire que la Bible et ne peut être révisé que par le Vatican ou par les Occidentaux, par les Américains. Donc c'est ce qu'on a fait croire aux gens. Je veux dire, eux-mêmes aussi, les Africains se sont fait croire ça. C'est eux-mêmes aussi, là, ils se sont montés la tête. Et donc du coup, quand un Français par exemple va faire un travail, on va dire non, il n'est pas américain. Il faut que ça vienne des États-Unis. Tout doit venir des États-Unis. Vous voyez, dans la culture des gens. Donc, quand ça vient des États-Unis, des anglophones, on dit là c'est correct, là c'est propre. Mais quand c'est en français, quand c'est en africain, on dit non, 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 là c'est vraiment pas ça. Il faut vérifier, c'est pas normal, c'est pas ci, c'est pas ça. Et en fait, le problème, il est clair, comme on dit, pour pas aller très loin avec ça. Si tout simplement on disait que c'était des personnes qui habitaient à Dallas ou au Texas avec tel ministère, on ferait pas attention à chercher quoi que ce soit parce qu'il est des versions de la Bible, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et les gens oublient même que c'est tous les ans, la Bible est révisée. Donc, c'est pas un problème. Mais simplement, effectivement, c'est la culture, tout simplement. La culture, oui. Parce qu'en fait, il y en a aussi qui disent mais pourquoi lui se permet d'écrire cette Bible? Il est qui, lui? La Bible de Jésus, mais ça veut dire quoi? Jésus, il n'a écrit aucune Bible. En fait, c'est aussi des ignorants et, qui méritent d'être délivrés. Et pour ceux qui sont délivrables, si je peux m'exprimer ainsi. Et parce que c'est quand même, vous savez, Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Et toutes les écritures toutes les écritures, l'ensemble des écritures, l'ensemble de la prophétie biblique, elle élève, glorifie une seule personne, Yeshua. C'est clair, Jésus-Christ est la personne centrale des écritures. Donc, je ne vois vraiment pas où se pose le problème. Si un livre s'appelle la Bible de Jésus-Christ, on n'a pas voulu mettre, voilà, c'est comme ça, et ça ne plaît pas, ben tant pis, puis on s'en fiche. D'autres vont plus loin par rapport à ce problème-là, qui diront que même si la Bible qui a été révisée est quasiment parfaite,
diront que le problème, justement, c'est le nom. Au ciel, Jésus-Christ, par exemple, on a entendu des gens qui pouvaient dire « Au ciel, Jésus-Christ n'a pas une BJC ». Aller jusqu'à de tels commentaires, c'est un peu... Eh ben, tu verras, malheureusement, souvent, ceux qui vont dire cela, et malheureusement, il faut le dire, c'est nos amis africains. Effectivement, en plus, voilà. C'est ça. Et il y a une Bible éditée, une Bible pour les homosexuels, hein. Donc, ils ne disent rien par rapport à ça. Il y a une Bible, la seconde, comment dire, la NBS, la seconde de 2002, où l'on a enlevé le mot repentance, hein, et pour le remplacer par changement radical. Ça, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont vu que du feu. Et, voilà. Parce que, ben, ça vient de la Suisse. Voilà. Donc, Suisse ou France, je sais plus. Et donc ça, y a pas de problème. Et une Bible, comment dire, la Bible de Bayard, là, l'édition Bayard. Mmh. Hein, donc une Bible tellement corrompue. On fera des émissions là-dessus pour éclairer encore les enfants de Dieu. Mais là-dessus, personne n'en a parlé. Y a pas de problème. Le problème, c'est à cause de ça que l'Afrique n'avance pas. C'est à cause de ça que beaucoup d'hommes noirs n'avancent pas. Hein, parce que je vous dis, je donne un exemple. Vous savez que le réfrigérateur, c'est un noir qui l'a inventé. L'ascenseur, c'est un noir qui l'a inventé. Les feux de signalisation, c'est un noir qui est à la base de ça. Même l'ampoule, on dit que c'est Edison, mais en fait, c'est un noir qui est à la base de ça. Est-ce que les noirs eux-mêmes, ils le savent? Non. Pourquoi? Parce que si on a caché ça, parce que beaucoup savent aussi que les noirs, ils sont pas prêts à accepter certaines choses. Le problème, il faut une réforme aussi au niveau de la culture, de la mentalité des gens, parce que beaucoup malheureusement sont trop arriérés. Et hein, donc le problème se situe à ce niveau-là. Et c'est pour cela, mes amis, que en Afrique, vous verrez que quand il y a un révolutionnaire, hein, on le tue. Le problème. Dans la culture africaine, les gens ne savent pas travailler en équipe, travailler dans un corps, ils connaissent pas. C'est chacun pour soi. Donc, et le problème se situe à ce niveau-là. Donc, il faut une réforme, il faut une délivrance, non pas forcément de démons, mais de délivrance par rapport à, n'est-ce pas, à l'ignorance, parce que c'est grave. Apôtre, par contre, tu peux peut-être expliquer aux gens, alors, qui a les droits de réviser la Bible. Qui a le droit? Quelle permission, peut-être les gens qui se posent, est-ce que quelle permission, qui peut faire ce travail? Mais n'importe qui a reçu l'appel de Dieu peut faire ce travail de révision. Et pour votre information, la seconde de 1910 est, n'est-ce pas, n'est plus sous copyright. C'est-à-dire, c'est une Bible qui, parce qu'elle a 100 ans, plus de 100 ans, donc elle est libre de droit, d'accord? Donc n'importe qui peut prendre cette Bible et faire la réviser, voilà. Donc et nous, la version que nous avons révisée par la grâce du Seigneur, nous l'avons pas, c'est-à-dire on veut pas, elle est libre, donc on peut la télécharger, elle est gratuite, voilà. Donc le problème en fait, c'est que quand on reçoit l'appel du Seigneur pour faire un travail, il faut le faire. Il faut surtout pas s'arrêter sur ce que les gens pensent, les gens disent, parce qu'il y aura toujours des détracteurs. Mm-hmm. Et quelques années après, ceux qui sont du Seigneur vont changer de langage. Mais n'importe qui reçoit l'appel du Seigneur peut faire ce travail. Voilà. Pas besoin de permission. Il n'y a pas besoin de permission. C'est Dieu qui autorise. Dieu dit, n'est-ce pas? Et j'agirai, qui s'y opposera? Voilà. Amen. Donc, le problème, comme je disais, et comme ça paraît nouveau pour les francophones, les Africains francophones, alors c'est ça choque. Comment c'est possible? C'est pas normal. Oui. Mais vous verrez que c'est les mêmes dans les coulisses qui veulent avoir un exemplaire. Hein. Oui, c'est pas de problème. Donc, non, je crois qu'il faut que les mentalités changent. Il faut une délivrance au niveau de la mentalité. Oui. Vous savez, il y a la Bible d'Osterwald. Il y a un pasteur français de souche qui vient d'éditer la Bible d'Osterwald. On m'a envoyé il y a 2-3 mois un exemple, un mail avec la copie de cette révision. Hein. Donc j'ai cette Bible là avec moi et personne n'en a parlé. Voyez, c'est un pasteur français avec une équipe. Ils ont fait ce travail et que je tiens d'ailleurs à encourager à parce que c'est un beau travail et ça, il n'y a pas de problème, ça passe, personne, aucun Africain ne s'est levé pour pouvoir parler. Voilà.
Ça, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a besoin d'une... On a vu le problème d'où ça vient, en fait. C'est la haine, c'est la jalousie, la racine. Ça, on connaît. C'est... Ouais. Voilà, le problème, c'est... Moi, je pense que c'est le même problème qu'a eu Pierre quand il est parti chez Corneille. Parce que les Juifs étaient habitués à ce qu'un Juif ne pouvait pas rentrer chez un païen. Et quand Pierre est parti chez Corneille, tout de suite, ce sont même les anciens et tous les autres qui étaient restés qui lui ont dit... Comment est-ce que tu as fait pour rentrer chez les païens? Qui t'en a donné l'autorisation? Et Pierre dit, mais je priais, j'étais en extase. Il devait se justifier. Voilà. Dieu m'a dit, va là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous obéir ou obéir à Dieu? Et tout le monde a compris. En fait, c'est le même problème. Quand Dieu part dans une génération, les gens ont tendance à ne pas comprendre. Des fois, je me demande, peut-être c'est Dieu qui fait exprès, ou peut-être c'est nous qui sommes lents. Et puis, plus tard, on dit, ah, ok, l'œuvre que le Seigneur a fait. Mais effectivement, c'est aussi la mentalité que les Juifs avaient, la culture. Et c'est le même problème avec nous, en fait. Une culture où, voilà, tu n'as, parce qu'il faut dire la vérité, enfin, au niveau de l'Afrique, il y a ce problème de nonchalance. Et on est un peu nonchalant. C'est, voilà, je suis africain, donc je sais de quoi je parle. On est un peu fainéant par rapport aux choses. Les grands travaux, on connaît pas trop. Chez nous, il n'y a pas de route, vraiment. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Il faut dire les choses. Il n'y a pas. Excusez-moi, je n'ai pas. Il n'y a pas pas beaucoup de routes. Voilà, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup de routes. Il y a beaucoup d'échangeurs, tout ça. On a des cratères, hein. Voilà. C'est même pas des deux de poules, hein. C'est des cratères. On a un problème. Et c'est vrai que ce problème aussi, c'est dans la mentalité. Il ne faut pas évoluer. Voilà. Il ne faut pas émerger. Je ne parle pas de la prospérité financière. Il ne faut pas émerger. Dès qu'il y en a un qui émerge, hein, comme des crabes, on l'attrape et puis on le descend. Voilà. Réviser une Bible, ça paraît tellement grand que, ah, mais comment, voilà. Il y en a qui vont s'imaginer qu'il y a forcément des Américains derrière aussi. Bien sûr. Les Sud-Américains, c'est les Sud-Africains, donc. Bien sûr. Les Américains qui sont derrière, c'est qui terrible. Financent. Mais Dieu, pour eux, est incapable de soutenir. Et puis, bien sûr, appel de fonds. Pourquoi appel de fonds? C'est pas normal. Et ils oublient, tout est mélangé. Ils oublient que c'est une vision que Dieu a donnée, c'est une mission qu'on a reçue, qu'il faut répandre massivement la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, il faut le reconnaître, qui ont été mal aussi traduites. Je vais prendre juste un exemple. Quelqu'un peut me sortir, qu'on me donne une Bible seconde, si c'est possible, Laurent. Et il y a besoin de... Vous savez, c'est frères et sœurs, vous qui nous suivez, et il faut être enseigné. Il faut, vous savez, il y a des choses, quand on ne comprend pas, au lieu de parler, il faut poser des questions. Il faut poser des bonnes questions et aux bonnes personnes pour recevoir l'information plutôt que de se mettre à parler, parce qu'on risque de combattre Dieu sans même s'en apercevoir. Et Dieu, et quand il se lève pour son œuvre, mes amis, et quand il frappe, il frappe. Parce qu'il ne veut pas voir les âmes perdues se perdre. Hein. Là, c'est clair. Donc, il nous faut vraiment la crainte de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer un exemple dans Segon, pour que les gens qui aiment la vérité comprennent pourquoi tout le temps Dieu demande à ce que la Bible soit révisée. Hein, parce que le langage évolue, les langues évoluent, parce que le français est une langue vivante. Hein, c'est pas une langue morte. Donc, elle évolue. D'accord. Donc, du coup, la Bible doit être aussi révisée pour que les gens comprennent, les choses. Et il y a aussi cet aspect-là, tout en restant fidèle au texte, bien sûr, de base. Voilà. Donc, et puis d'ailleurs, on ne révise pas les textes originaux. On révise les traductions. C'est ce que beaucoup de gens doivent comprendre, parce que les textes originaux ont été dit sans faute. Sans faille, mais comme ces textes originaux n'existent plus, on n'a plus que des copies. Ça, il faut que beaucoup ne le savent pas non plus. Ils vont parler, mais ils savent même pas cela. Les textes originaux de la Bible n'existent pas. Il n'y a pas un seul texte original. C'est les copies que nous avons, donc qui sont bien sûr fiables. Il n'y a pas de problème, comme les textes majoritaires et tout ça, et les textes massorétiques, d'accord, et qui sont des textes fidèles. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, ce sont des textes, donc, qui sont des copies, qui sont, bien sûr, des traductions en français, en allemand, dans toutes nos langues vernaculaires, qui sont régulièrement révisées. Et voilà. Donc, au nom de Yeshua. Et nous sommes dans, justement, donc je prends Segon. Nous sommes dans Actes, chapitre 9. Voilà. Et nous lisons à partir du verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur
et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes, verset 7 qui nous importe, hein, sur lequel je vais m'appuyer. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ok. Est-ce qu'on peut répéter encore? Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ok. Nous sommes dans Acte 22. On nous dit qu'ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Voilà. Donc, nous sommes dans Acte 22. Paul dit, donc c'est la même histoire, hein, verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et ensuite, je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien là la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Mm-hmm. Donc on voit ici une contradiction. Ouais. Dans le chapitre 9, il est dit que les hommes qui étaient avec Paul entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et ici on nous dit qu'ils n'entendaient pas la voix. Vous comprenez pourquoi aussi les musulmans se servent de cette contradiction, mm-hmm. notamment parce qu'il y en a quelques-unes ici et là. Et pour dire que, vous voyez, dans votre Bible, il y a beaucoup de contradictions. Alors, et quand le Seigneur m'a demandé de faire cette révision, avec les frères et sœurs qui ont été autour de moi pour m'aider, merci Seigneur, en tout cas le Seigneur vous bénisse encore, et pour votre travail, parce que j'ai vu comment vous avez travaillé durement, et tout ça. Et quand on a vérifié dans le grec, on a vu que le verbe grec signifie aussi comprendre. Alors, au lieu de mettre n'entendir pas, parce qu'il y a une contradiction, en fait, ils ne comprirent pas la voix de celui qui parlait. Et il y a une version de la Bible, je crois que c'est Summer si je ne me trompe, qui a rectifié cela aussi. Vous voyez? Donc, voyez bien que le travail de la révision, c'est aussi, mes amis, vérifier les textes originaux, c'est-à-dire les langues utilisées pour écrire la Bible, le grec, l'hébreu, tout ça. On vérifie dans ces langues pour pouvoir traduire en français correctement. Amen. Voyez, et c'est le travail qui a été fait. Et dans la BJC, il y a cette contradiction n'existe plus. Mm-hmm. N'existe pas, je vous dirais. Parce qu'elle n'a jamais eu. Donc, voyez bien que c'est un travail qui est fait. C'est un effort que des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont voulu obéir au Seigneur pour permettre aux chrétiens de francophones, hein, de la francophonie, d'avoir aussi une nouvelle version. Et voilà. Donc, révisée à partir des textes majoritaires. Donc, je crois que nous devons beaucoup plus bénir le Seigneur. Amen. Et pour votre information, il y a 10 000 autres exemplaires qui seront livrés d'ici le 15 avril. Et on va les distribuer aussi gratuitement. Et dans cette nouvelle version, il y a une concordance avec 2500 mots. Il y a beaucoup d'autres choses dedans. Il y a l'histoire aussi du christianisme et tout ça. Et l'histoire de l'Église et aussi. Donc, il y a aussi il y a beaucoup de choses. On va vous présenter ce travail bientôt, frère. Et vous pouvez venir sur place au 24 ici pour avoir votre exemplaire. Mm-hmm. Même si vous avez déjà cet exemplaire-là, vous pouvez avoir la nouvelle version. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on aura un programme bientôt à Savines-le-Temple, hein, pour justement pour au panel auquel on va distribuer aussi massivement cette version de la Bible. Voilà. Donc frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui soutiennent financièrement, qui soutiennent dans la prière, parce que la vision qui vient du Seigneur, mes amis, se concrétise et que les chiens aboient, la caravane continuera à passer
Et vous qui aboyez, on aimerait aussi voir l'œuvre que vous faites. Parce que parler derrière un ordinateur, c'est beaucoup plus facile que de faire l'œuvre sur le terrain. On aimerait aussi vous voir sur le terrain, en train de prier pour la délivrance des gens, de chasser les démons. Hein? Parce qu'il n'y a pas que la parole. Hein? La parole est la puissance qui chasse aussi les démons. On veut aussi voir ces signes-là accompagner la parole que vous dites. Parce que c'est important. Dénoncer, c'est bien, mais manifester la puissance de Dieu, cette parole qui est puissante, et c'est mieux parce que c'est parce qu'on voit des vies changer, transformer, et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et je voudrais encourager tous les enfants de Dieu à qui Dieu a demandé à qui Dieu a confié une mission. Faites cette mission-là, ne vous arrêtez pas sur ce que les gens disent. Ceux qui vous critiquent aujourd'hui et ceux qui sont de Dieu et qui vous critiquent parce qu'ils sont ignorants, demain ils seront éclairés et ils vous donneront pardon. Et ceux qui sont de l'ennemi, ils vont continuer à vous critiquer et ces critiques vont vous permettre d'aller encore plus loin. Alors faites le travail, fermez les oreilles, que Dieu soit glorifié au nom de Yeshua. Voilà. Entre parenthèses. Donc, et quand Dieu donne une vision, c'est biblique de la présenter aux frères et sœurs, n'est-ce pas? Et comme Moïse, quand il a reçu la vision du tabernacle, Dieu a dit que chacun donne une offrande. Ceux qui peuvent donner une offrande volontaire le fassent. Et c'est biblique. Vous me direz, oui, c'est la loi de Moïse. Oui, frère. Ok. Donc, dans la Nouvelle Alliance, mes amis, on voit dans Luc chapitre 8, Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, bien sûr, la Nouvelle Alliance n'était pas encore officielle. Mais on nous dit qu'Yeshua avait autour de lui des femmes qui l'assistaient avec leurs biens matériels. C'est dans la Bible, hein. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Donc Dieu peut, quand il appelle ses serviteurs, ses servantes, il peut susciter des gens, je ne parle pas des partenaires financiers, des hommes et des femmes dont les cœurs sont touchés pour assister cette vision financièrement, spirituellement. C'est aussi biblique. Paul disait donner des ordres aux églises de la Galatie pour, n'est-ce pas, mettre de côté de l'argent pour soutenir les saints, pour soutenir les veuves. Et les nécessiteux. Donc, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Alors, je crois que c'est un faux débat que de vouloir parler sans connaître bien comme il faut les choses. Si vraiment, moi, je voulais m'enrichir, je crois que je serais millionnaire depuis des années, frères et sœurs. Et à Dieu toute la gloire. Donc, que Dieu soit béni. Alors, on va vous montrer justement quelques images avant de prendre la personne qui est en ligne. Quelques images de l'œuvre que Dieu fait. Ça va beaucoup vous encourager parce que de temps à autre, nous allons vous montrer de plus en plus ce que Dieu fait. Voilà. Donc, en 2002, Dieu m'a demandé de mettre en place un orphelinat. Et Loufiane ainsi qu'une équipe qui a autour de lui ont pris cette vision à cœur. Que Dieu vous bénisse en tout cas, Loufiane, merci. Ça, ce sont les locaux que nous avons achetés à Courcouronne par la grâce de Dieu il y a 10 ans, il y a 12 ans, et que nous avons transformé en habitation des SDF. Ils viennent dormir gratuitement. Et aussi, on a transformé une partie en épicerie solidaire. Voilà, frères et sœurs, l'épicerie solidaire d'Evry-Courcouronne, où les frères et sœurs viennent se servir gratuitement, n'est-ce pas? Et c'est grâce aussi à vos prières, grâce aux dons que vous faites, que nous arrivons par la grâce de Dieu à nourrir aussi des hommes et des femmes qui ont faim. C'est la parole de Dieu qui doit être appliquée. Il y a des gens qui ont faim, il faut les nourrir. Des gens qui ont soif, il faut les abreuver. Voilà. Donc, ça, c'est une partie de l'épicerie. C'est l'épicerie de Courcouronne. C'est juste une partie. Voilà. Et sachant que il y a une, si je ne me trompe pas, il y a une vingtaine d'épiceries comme ça, un peu ici et là. Il y en a une en Guadeloupe. Si on peut trouver les images de la Guadeloupe aussi là-bas, ce serait bien. Merci. Là, c'est Josette, notre sœur, qui nous aide beaucoup aussi. Voilà. Donc, c'est une équipe très soudée. Vous voyez là, ce sont des vêtements qu'on donne aux gens gratuitement. Ce sont des vêtements, des habits hein, que nous récoltons ici et là pour pouvoir les redistribuer aux gens qui en ont besoin. Alors, vous voulez critiquer l'œuvre que Dieu fait, vous faites quoi? Hein? Vous êtes derrière votre ordinateur, vous parlez, mais commencez aussi à faire l'œuvre là, que les gens voient aussi l'œuvre que vous faites. Voilà, là ce sont des jeunes qui sont, je crois, juristes hein, et qui sont en train d'aider, de recevoir les gens qui sont dans les problèmes, qui ont des problèmes administratif, il leur donne des conseils, hein, c'est des jeunes, il y en a qui sont avocats, d'autres, voilà, ne sont pas encore avocats, mais sont juristes, et donc ils connaissent les lois françaises, et ils peuvent, hommes ou femmes, ils peuvent aider les gens, parce que l'évangile, ce n'est pas seulement des versets bibliques qu'il faut retenir par cœur, c'est dans la concrétisation. Jean nous dit qu'il ne faut pas aimer en parole seulement, mais en œuvre et en vérité. Hein, donc 1 Jean 1, voilà. Donc
Tout ça là, c'est biblique. Il faut des actes. Il faut des actes, frères et sœurs. L'évangile, c'est la concrétisation des choses. C'est la matérialisation de la vision. On reçoit une vision et on la matérialise. On ne s'arrête pas seulement sur les critiques. Donc, quand nous dénonçons les faux pasteurs, quand nous dénonçons le péché, nous travaillons à côté. Il y a un travail qui se fait. Quand on vous présente une vision, à côté, il y a des choses qui se font à la gloire de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est très biblique, frères et sœurs, ce que nous voulons vivre, ce que nous faisons. Et nous voulons respecter la parole du Seigneur, rester biblique, afin que le Dieu de gloire soit glorifié, soit magnifié. Voilà, est-ce qu'on peut retrouver l'épicerie solidaire, retrouver la Villa Samuel, les images de Villa Samuel, l'équipe technique. On peut retrouver ça sur le site villasamuel.org, je crois. Voilà, donc retrouvez-nous toutes ces images-là pour montrer aux frères et sœurs le travail qui se fait. Et bientôt, on aura une émission avec Loufiane, avec Ludovic Rouget par rapport au centre de formation d'Idasco. Il y aura aussi l'équipe du Pain Quotidien. Il y aura l'équipe du journal Les Documos et tout ça. Et Musique de Vie, pour que vous voyez le travail qui se fait. Hein, parce que beaucoup nous voient de loin, mais ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se fait véritablement. Et là, vous verrez le travail que Dieu accomplit, frères et sœurs. Je crois que beaucoup seront aussi encouragés. Car on reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit la parole de Dieu. Voilà. Donc, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand. Que son nom soit glorifié, soit magnifié. Alléluia. Donc là, vous avez Villa Samuel. Donc, c'est notre sœur Marie-Thérèse, que Dieu la bénisse, et avec l'équipe qui travaille avec elle, et, qui s'occupe d'une centaine de veuves qui dormaient sur le marché, hein, dehors, sur des marchés, et qui étaient violées toutes les nuits. Et voilà, elle s'est beaucoup investie, et avec les dons que vous faites, donc, elle arrive avec l'équipe qui travaille avec elle à nourrir toutes ces veuves. Vous voyez, toutes ces femmes qui sont en train de chanter, elles sont veuves. Et la Bible nous demande de nous occuper des veuves, hein, des orphelins et des étrangers. Des veuves. Et ces femmes qui sont nos mamans, hein, qui sont nos grand-mères, nos mamans, dormaient dehors. Et grâce à vos dons, notre sœur Marie-Thérèse a pu acheter cette parcelle, je crois, si je ne me trompe. Elle viendra en tout cas demain pour tout expliquer. Et grâce à Odon, elle a pu avoir l'argent pour acheter cette parcelle, pour héberger toutes ces femmes et les nourrir. Et quand on présente une vision pour que les frères et sœurs soutiennent financièrement, vous êtes en train de critiquer, frère. Je crois que vous n'aimez pas Jésus réellement. Voilà. Vous n'aimez pas Jésus parce que si vous aimez le Seigneur, si vous connaissez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas critiquer l'œuvre que le Seigneur fait. Au contraire, vous bénirez le Seigneur parce que l'argent ne va pas dans notre poche. Et cet argent est utilisé pour aider. Et être chrétien, c'est venir en aide aux nécessiteux. Être chrétien, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement être dans sa maison et parler, critiquer, c'est trop facile. Il faut aller sur le terrain et travailler sur le terrain. Voilà, mes amis, c'est ce que la parole nous demande. Voilà, aller sur le terrain et aider les gens. Voilà. Donc, avec Internet, on devient facilement prophète aujourd'hui, hein. On devient facilement prophète. Et puis, on se trompe de cible. Hein? Et puis, on commence à faire du boucan, du bruit. Et on commence à voiler même ses enfants. Même des jeunes filles de 8 ans, on leur met de voile sur la tête. Alors que même le voile, là, si on veut vraiment mettre le voile, le tissu, là, Paul dit que la femme doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Mais une enfant, une petite fille de 8 ans, de 9 ans, qui n'est pas mariée, mais elle va mettre le voile, là, le tissu, là, pourquoi? Elle dépend de quelle autorité, parce qu'elle n'a pas de mari. Tout est mélangé. Les gens, ils doivent s'asseoir et être enseignés. Voilà. L'enseignement manque les gens. Des jeunes convertis, ils ont quoi? Trois ans de conversion, deux ans. Et ils sont déjà arrivés. Et ils veulent déjà devenir des prophètes, des apôtres, des grands ministères qui dénoncent tout le monde. Voilà. Donc, qui ne font pas l'œuvre du Seigneur. Couvrir une fille de 16 ans, 15 ans qui n'est pas mariée, c'est même pas biblique. Voilà, tout est confus, tout est mélangé dans la tête des gens et ils doivent s'asseoir et être corrigés avec la parole, enseignés. Voilà, on va montrer les images des orphelins, si c'est possible mes amis. Il y a des orphelins de Russie, de la RDC, du Gabon, hein, et d'Haïti,
hein, du Togo, du Gabon aujourd'hui. Et comme ça, vous verrez, mes amis, que l'œuvre se fait. Dieu fait son œuvre. C'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu lui-même qui fait cette œuvre-là. Et grâce à vos prières, grâce à votre soutien, l'œuvre se fait. Et sans parler, bien sûr, comme vous le voyez vous-même, des âmes qui sont guéries, délivrées, des sidéiens qui sont guéris, des cancéreux qui sont guéris, des preuves médicales. Et je crois que Satan ne peut pas faire ça. Non, voilà. Jamais. Donc, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il suit ses enfants, il guérit son peuple, il restaure son peuple. Voilà. Si tout le monde est voleur, s'il y a beaucoup de pasteurs voleurs, tout le monde n'est pas voleur. S'il y a des pasteurs impudiques, tout le monde n'est pas impudique. Mm-hmm. Voilà. Dieu est celui qui a un reste, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Voilà. Et on ne tombera pas avec des histoires de femmes. Amen. On préfère, mes amis, être seul avec Dieu plutôt qu'avec être avec une foule de gens sans Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Alors, il y en a, ils diront, mais oui, les catholiques font pareil. Ben oui, mais les catholiques, s'ils font pareil, il y a vous faites aussi les œuvres que les autres font. Les œuvres bibliques. Parce que c'est biblique. Parce qu'on peut pas dire, non, mais les délivrances, c'est les démons, c'est charnel, tout ça. Mais oui, mais il y a des vraies délivrances. S'il y a la fausse monnaie, il y a aussi la vraie monnaie. Hein? Vous, alors, produisez la vraie monnaie s'il y a la fausse monnaie. Donc, si on n'a pas la vraie monnaie, on commence à vouloir critiquer tout le monde, on va pas s'en sortir. Dieu est bon. Alléluia. Donc ça, c'est pour aider tout le monde, aider les enfants de Dieu, aider les chrétiens et amener, mes amis, comme Paul nous dit, hein, il faut fermer la bouche des contradicteurs, des détracteurs, parce que c'est la parole. Avec la parole et avec les œuvres, et ceux qui sont de Dieu, ben, ils se repentent. Amen. Voilà. Il y a un verset dans Galates où Paul dit aux Galates, ces hommes-là veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélés pour eux. C'est ça. Parce que les gens, en fait, font une œuvre pour... C'est personnel, en fait, parce que en réalité, on n'authentifie pas un serviteur de Dieu parce qu'il parle ou parce qu'il peut être derrière une caméra et non. Ça, tout le monde peut le faire. Oui, ça, c'est facile de faire ça. Voilà. Il y a des œuvres qui sont concrètes. Le Seigneur est venu, il y avait des œuvres qui étaient là, des âmes, il nourrissait des gens. Mm-hmm. Et moi, je suis un peu scandalisé, choqué, en fait. Quand je revois ces images, je me dis, mais Seigneur, mais comment les chrétiens peuvent devenir méchants aujourd'hui? Ils lisent la Bible, ils attaquent les autres, mais il n'y a rien. Rien ne se fait. Ils ne produisent aucun fruit eux-mêmes. Rien ne se fait. Et les chrétiens ne voyaient pas ça, en fait, qu'on ne t'entifie pas parce qu'ils parlent bien. Satan sait parler. Mm-hmm. Satan peut prendre les versets, commencer à les dire comme ça. Mais où sont les œuvres de soutenir les orphelins, les pauvres, tous ces gens-là? Il y a pas ça. Et c'est vraiment dommage que ça pilule de partout comme ça sur Internet. Mais il y a rien de concret pour le royaume du Seigneur. Internet, malheureusement, à cause de l'Internet, de l'Internet, à cause du net, beaucoup de chrétiens, parce qu'ils suivent n'importe quel pasteur qui se lève, qui commence à parler, n'importe quel chrétien qui se lève, qui commence à faire des vidéos, eh ben, les chrétiens sont malheureusement induits en erreur comme ça, au lieu d'aller devant le Seigneur pour que Dieu leur parle. Et Internet a remplacé la communion avec le Seigneur, le don de discernement. Et voilà, malheureusement, je crois que les vrais chrétiens comprennent, réalisent de plus en plus que les temps sont difficiles et que vaut mieux aller devant le Seigneur pour avoir sa confirmation plutôt que d'écouter des gens qui parlent à gauche à droite, parce que il y a beaucoup de jalousie, ça il faut le reconnaître, il y a beaucoup de méchanceté. Mm-hmm. Et les gens n'aimeraient pas voir des âmes libérées, hein. Donc et tout prédicateur chrétien, écoutez-moi, tout prédicateur qui dénonce le péché ou les autres, qui prêche la parole, qui enseigne la parole et qui lui-même ne montre pas aussi les images où il y a des délivrances, où il y a des guérisons, où il y a des conversions, où il y a des baptêmes, où il y a des orphelins qui sont nourris, des veuves qui sont nourries, posez-vous la question, il n'est pas de Dieu. Parce que, mes amis, quand on envoie, Jean-Baptiste a envoyé des gens pour poser la question au Seigneur, est-ce que c'est toi qui devais venir ou il fallait attendre quelqu'un d'autre? Jésus n'a pas dit, je suis Jésus, apôtre, machin. Non, Jésus a dit, vois, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Amen. D'accord? Paul dit, si pour d'autres, je ne suis pas un apôtre, je le suis pour vous, parce que vous êtes les fruits, le sceau de mon apostolat. Ah, les choses sont claires. Donc, il faut qu'il y ait des gens de gagner, de former, qui annoncent l'évangile, qui servent Dieu, qui sont formés, n'est-ce pas? Parce que si on s'arrête seulement à crier, à parler derrière son ordinateur, à aller à gauche, à droite, ça veut dire qu'on devient un perroquet. Voyez? Un perroquet ne fait que redire ce qu'il entend ici et là. Mais il n'expérimente pas lui-même les choses. Voilà. Donc, il faut aussi produire les œuvres. Parce que c'est important. Parce que prêcher sans qu'il y ait des délivrances, des démons de chasser, il y a un problème. Le Seigneur a dit, ils chasseront les démons. Mmh. Et les démons, il y en a toujours. Hein. Mmh. Ils sont pas encore liés. Et mis dans les temps de feu, ni en prison. Donc, il faut les chasser. Des malades qu'il faut guérir.
Parce que l'évangile, c'est aussi la guérison. Mm-hmm. Nous ne prêchons pas, mes amis, sur la guérison divine matin, midi, soir. Nous prêchons Jésus-Christ. Mm-hmm. Mais Jésus-Christ guérit les gens. Mm-hmm. Parce qu'il a pris nos maladies. Mm-hmm. Donc, celui qui prêche l'évangile doit aussi prier pour les malades, parce que c'est biblique. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait aussi des guérisons qui sont opérées, parce que c'est biblique. Voilà. S'il y a que, si vous ne suivez que les gens qui ne font que parler, 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 ils vont vous dire, ils sont Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle parce que ce n'était pas encore le temps. De la dispensation de la grâce. L'esprit n'était pas encore répandu sur les gens. Hein? Donc, et puis ce n'était pas son appel. Mm-hmm. Mais tous les disciples de Jésus sont accompagnés par sa parole, par les signes. Mm-hmm. Voilà. Amen. Donc, ils ne savent pas seulement à dénoncer, ils font aussi des œuvres qui attestent que Dieu marche avec eux. Et les œuvres parfois parlent mieux que nos paroles. Amen. Voilà. Amen. Et c'est ce que le Seigneur faisait. Parfois. Si vous ne croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Voilà. Il y en a qui vont dire, bah oui, les catholiques font pareil. Mais écoutez, les amis, ben vous qui n'êtes pas catholique, faites quand même les œuvres, qu'on les voit aussi. Vous êtes un mangué, vous n'avez pas de mangue, il y a un problème. Voilà. Mais c'est, moi, ça me fait rire parce que les gens disent que voilà, on ne s'attarde pas sur les miracles. Mais Jésus lui-même, c'est lui qui a dit, voici les signes qui accompagneront. Mais celui qui dit qu'on ne se base pas sur les miracles, ouais. Joël, c'est qu'il il insulte Jésus. Voilà. Jésus a dit, voici les miracles. Mm-hmm. C'est pas Joël qui l'a dit. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et on nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et accompagnait sa parole. Et le Seigneur dit dans Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Mais là où il y a l'évangile véritable, il y a la vie. Là où il y a la vie, ben, il n'y a pas la mort. Hein. Mais il le chante. Ben, attends. Dieu des miracles. Ben, voilà. Voilà. Nous ne prêchons pas les miracles, nous prêchons Jésus. Mais Jésus accompagne les miracles. C'est le Dieu des miracles. Accompagne sa parole. Et quand on a des gens qui sont liés comme ça, là, l'ombre de Pierre guérissait les malades, non? Oui. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades, étaient guéris les malades. Voilà. Nous ne sommes pas des baptistes pour dire que les miracles ont fini ou le témoin de Jéhovah. Nous croyons au plein évangile. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons expérimenter sa parole dans le quotidien. Voilà. Je crois que mon Dieu continue à guérir. Donc c'est normal qu'il y ait des guérisons. Je crois que mon Dieu continue à chasser les démons. Je crois que les démons doivent être chassés. Voilà. Alors, pour trouver des excuses, on va dire, un chrétien ne peut pas être possédé. Mais un chrétien qui pêche volontairement, qui ouvre une porte à Satan, il va pas se faire posséder. Mais mes amis, tout est confus. Et d'ailleurs, même ceux qui disent ça parmi ces pasteurs, ils sont possédés eux-mêmes. Voilà, on voit une autre image. Laurent, merci. Dieu travaille, frères et sœurs. Nous bénissons son nom à cause de sa parole. Voilà. Donc là, c'est l'orphelinat, comment dire, au Gabon. L'ONG Micole, mission internationale par le pain quotidien pour aujourd'hui. La consolation des orphelins voilà. Et des nécessiteux. Quand je suis allé au Gabon, a été officiellement créé le 30 septembre 2008. Et ses activités ont commencé voilà, depuis le 15 septembre 2006. Et, tout commence lorsque la présidente de l'ONG soignée, arrive nourrie, au Gabon pour des raisons personnelles. Et tout. Elle ressent donc, alors un besoin mois, de se rendre dans les hôpitaux publics de la ville pour apporter réconfort et soutien aux personnes envoie, malades et abandonnées. De l'argent. De fil en bout, elle a commencé à recevoir loyer, ces personnes chez elle, ainsi que des orphelins et des enfants démunis. Comme le Seigneur nous le demande. Voilà, donc on va voir. Nos enfants au Gabon. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer. Les enfants sont là. Voilà. Ils sont en train d'étudier, de faire leurs devoirs. Ils sont tout beaux. Voilà. Dieu est bon. C'est des enfants qui ont perdu leurs parents. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Eh bien, on essaie de s'en occuper, n'est-ce pas? De leur venir en aide. Et on ne s'arrête pas seulement à dénoncer. Derrière, on travaille. Voilà. Donc ensuite, on va voir les enfants de Madagascar. Je crois que ça, c'est le Madagascar maintenant. Voilà. Donc là, nous sommes à l'orphelinat. On a quitté le Gabon pour aller à Tananarive, hein, donc à Madagascar. Donc voilà, les enfants, pareil, on envoie l'argent chaque mois. Les enfants sont nourris, comme vous le voyez. Et grâce à vos prières, grâce au Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, grâce à vos dons, vos soutiens, et les enfants sont parrainés, les enfants sont nourris, les enfants sont habillés, les enfants sont scolarisés grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc on va voir aussi les orphelins de Kinshasa. Voilà, c'est
Voilà, parmi les sœurs qui s'occupent des enfants là-bas, à Madagascar. Gloire à Dieu. Dieu travaille. Merci Seigneur pour ton œuvre qui se fait nuit et jour. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Voilà. Donc, il y a aussi les enfants de la Russie. Il y en a beaucoup. Je crois qu'on fera une émission cette semaine, une émission spéciale pour vous montrer vraiment l'œuvre qui se fait. Voilà. Pour que vous compreniez que nous ne sommes pas là pour nous enrichir. Nous ne faisons pas des appels de fonds pour remplir nos poches. Et nous ne sommes pas là pour faire des appels de fonds matin, midi, soir. Quand il y a une vision que Dieu nous met à cœur, telle que la construction d'un orphelinat, telle que la diffusion de la parole de Dieu, la mission, eh ben nous en parlons, frères et sœurs. D'abord, Seigneur, et Dieu nous demande d'en parler à l'église, aux frères et sœurs. Et les frères et sœurs, librement, comme la parole nous le dit, soutiennent. Voilà. Nous sommes contre la dîme parce que c'est la loi. Mais les offrandes sont tout à fait bibliques et les offrandes libres. Et c'est la parole de Dieu. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, n'est-ce pas? Donc, au nom de Yeshua, il faut beaucoup d'humilité et reconnaître surtout quand Dieu travaille, quand Dieu agit. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Et en voyant ces images, je crois que les frères et sœurs aussi sont encouragés parce qu'ils se rendent compte que, bon, Dieu travaille. Voilà, Dieu travaille. Vous voyez, avec toutes ces œuvres-là que Dieu fait, l'ennemi ne peut pas être content. L'ennemi ne peut que, mes amis, être enragé. Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur de veuves. Et Paul, dans les Écritures, nous demande par l'Esprit de Dieu de nous occuper, hein, de prendre soin des veuves. Ça, c'est la parole. C'est la Bible. Et les premiers chrétiens mettaient tout en commun, vendaient tout ce qu'ils avaient et amenaient l'argent aux pieds des apôtres et ont distribué en fonction des besoins des uns des autres. Donc, et les choses sont faites librement et en fonction des besoins des uns des autres. Et les frères et sœurs sont encouragés. Et sans parler des prisonniers, parce qu'on peut pas, n'est-ce pas? Et on n'a pas, je crois qu'on a, on va vous montrer aussi prochainement, donc cette semaine, on aura une émission, on vous montrera aussi les témoignages, hein, donc des prisonniers et en Côte d'Ivoire et au Congo, ici et là, qui sont soutenus chaque mois, hein, donc et encouragés et au nom de Yeshua et du travail même qui qu'on a donné par la grâce de Dieu à certains frères et sœurs en Afrique qui s'occupent des orphelins, qui sont payés chaque mois pour s'occuper de nos orphelins, hein, parce que c'est plusieurs personnes qui travaillent à plein temps pour venir en aide à ces orphelins-là, qu'on a laissés dans la rue, qu'on laisse dormir. On a des enfants de 3 ans, 4 ans en Afrique, 5 ans, mes amis, qui dorment dehors, et les églises ne veulent pas s'en occuper. Et on les viole. Et honnêtement, si vous êtes chrétien, vous devez, mes amis, plutôt bénir Dieu pour le travail qui se fait grâce au Saint-Esprit, au nom de Yeshua. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres images là. Laurent, une dernière image, là, si on peut avoir les orphelins de Kinshasa ou Haïti, ou en plus, il y a une école qui se met en place au Mali. Hein, donc, Loufiane va présenter tout ça. Et Dieu est bon. Et aujourd'hui, Dieu vous met à cœur de mettre en place une école chrétienne, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, l'œuvre se fait, le Seigneur donne des visions aux frères et sœurs ici et là, et nous devons prier, encourager ces initiatives, et ne pas avoir une mentalité complètement charnelle, humaine, qui veut que si l'autre avance, on l'empêche d'aller de l'avant. Et tout est donné gratuitement. Tout. Tout est redistribué gratuitement. Voilà, frères et sœurs. Comme Paul pouvait le dire, mais moi qui vous parle, je ne veux pas de salaire et j'ai pas de salaire. On vit par la foi, Dieu fait grâce. Mais les frères et sœurs sont encouragés et Dieu fait son œuvre au nom de Yeshua. Et le journal, les Documents, produit chaque aujourd'hui tous les 6 mois. Et des frères et sœurs travaillent dur pour sortir ce journal, et tout est gratuit par la grâce du Seigneur. Et les enfants de Dieu sont encouragés. Donc, vous voyez, frères et sœurs, l'œuvre qui se fait. Il y a l'image, justement, de TV de vie. Hein, si on peut la balancer. De la régie. Ah, Laurent, on balance l'image que vous avez là. Merci. S'il y a une nouvelle image. Voilà. Gloire à Dieu. Comme ça, vous allez voir aussi la régie mobile qui est presque finie. Et, tout ça, c'est grâce au Seigneur. Et ça va nous permettre de faire des émissions partout pour crier que Yeshua revient.
au nom de Yeshua. On vous présente toutes ces choses pour que vous compreniez que c'est pas une église, mais c'est une mission que Dieu a donnée. C'est la mission. Nous avons une mission pour amener l'évangile dans les nations, pour faire avancer les choses au nom de Yeshua. Donc vous allez voir, là, l'image que vous voyez, c'est la régie mobile. Donc il y a un frère qui est devant, hein, et qui va appuyer sur un bouton. Et regardez bien la parabole, se déploie automatiquement. Et elle va, de manière automatique, se caler sur le satellite, n'est-ce pas, avec le satellite avec lequel nous travaillons pour pouvoir diffuser sur le câble et sur le net. Voilà, vous voyez, frères et sœurs, alors cette parabole, regardez comment elle bouge automatiquement. Elle cherche le satellite, voyez. Donc ça, c'est notre régie mobile. Et donc la parabole, comme vous le savez, est déjà dessus. Et l'intérieur va être habillé, aménagé cette semaine. Et on vous montrera tout dans les détails. Comme ça, vous verrez le travail qui se fait. Regardez comment la parabole automatiquement est en train de s'aligner sur le satellite. Donc là, elle s'est calée sur, elle va se caler sur le satellite. Elle cherche encore un peu, voyez. Et elle a coûté 7000 euros, hein, pratiquement. Donc l'image sera une très nette, de qualité, hein. Et frères et sœurs, l'œuvre qui se fait, on doit plutôt bénir le Seigneur et dire merci Jésus-Christ parce que voilà. Joël, je voudrais vraiment témoigner parce que on était là au début de Radio de Vie, mm-hmm. Et je me rappelle, ça a commencé comme si c'était une blague, quoi. Voilà. On se disait mais ça va être comment ça va arriver, comment ça va se faire. Et aujourd'hui voir ça, mais c'est tellement encourageant. On est passé de la radio à la télé. Au début, c'était pas évident. Les moyens étaient, c'était vraiment, débutant. Et là, c'est du matériel professionnel. Qui honore Jésus. C'est magnifique. C'est, il faut du sérieux. C'est encourageant. Franchement, c'est trop encourageant, quoi. Il n'y a rien à dire. En tout cas, vraiment, que Jésus soit loué, quoi. Voilà, Joël. Voilà, les frères et sœurs. On conduit l'image, hein. On va voir comment elle va se fermer. Comment la parabole va se, on n'a pas ce côté d'image-là. Je crois qu'on doit la voir. Si on l'a pas, c'est pas grave, hein, l'équipe. Hein, donc y a pas. Donc là, elle va, n'est-ce pas, se refermer. Elle va, voilà. Là, ça c'est. Donc là, partout, hein, s'il y a un programme, on va aller avec cette régie. Quand on va évangéliser dehors pendant l'été, hein, dans les parcs, on va aller interviewer les gens. Hein, donc on va diffuser de partout. De n'importe quel endroit, on va pouvoir faire des émissions en direct pour recueillir des témoignages des gens. Voilà, là, elle est en train de se fermer, hein, se refermer, voilà. Et tout ça, on appuie juste sur un bouton et tac, les choses se font. Et au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Si ça, c'est pas des fruits, ça. Ouais, je sais pas ce qu'il veut. Tu sais pas ce qu'il veut. Voilà. Donc, je me dis Dieu. Amen. Je bénis Dieu de voir ça parce que la première fois que j'ai vu le camion. S'allumer? Oui. Ok. La première fois que j'ai vu le camion, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore ce monsieur-là? Il est incroyable. Mais bon, enfin, gloire à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut et c'est une bonne chose. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous voulons, par la grâce de Dieu et grâce à vos prières, nous voulons être sérieux, nous voulons être organisés, nous voulons donner aussi une autre image. Amen. Vous savez, on est en Europe. Il y a des frères et sœurs qui sont avec nous, qui sont de plusieurs pays. Il y a des Africains, il y a des Antillais, il y a des Européens, il y a des Asiatiques, de tout. Nos frères et sœurs du Maghreb, que nous saluons, il y a même des Juifs, il y a de tout. Et nous voulons aussi, au travers de toutes ces œuvres, malgré nos combats, nous voulons faire un travail sérieux. Nous voulons, mes amis, quelles que soient les critiques, les dires des gens, les combats, nous voulons que Dieu soit honoré et que les frères et sœurs se disent, il y a quand même des gens qui veulent, qui travaillent sérieusement dans le royaume de Dieu, qui honorent le Seigneur au travers des œuvres qui se font. Voilà. Donc, voyez, toutes ces œuvres, mes amis, sont pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et voilà, donc là, c'est l'orphelinat qui a été construit à Kinshasa. Donc, on a pris un terrain. Nous sommes allés, je suis allé dans un premier temps sur place et construire cet orphelinat. Voilà,
Alors cet homme, ce jeune homme, qui était un enfant qu'on a recueilli, hein, donc Israël, vous voyez comment il a grandi. Il a eu son diplôme d'État, donc son bac. Aujourd'hui, il est à l'université, à la fac. Et chaque mois, nous payons sa chambre d'étudiant et tout ça. Et voilà, donc il y en a, beaucoup ont grandi comme ça. Donc il est maintenant majeur et il prêche l'évangile, n'est-ce pas? Et toutes ces œuvres-là, hein, donc honore le Seigneur, donne gloire à Dieu, les enfants qui étaient dans la rue. Hein, grâce à vos prières, grâce à vos dons, voilà les choses qui se font, frères et sœurs. Et voilà comment nous avons décidé d'honorer le Seigneur au travers de toutes ces actions, de toutes ces œuvres, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant était dehors, que vous voyez là. Voyez. Donc, mes amis, vous dénoncez, c'est bien. Vous critiquez, c'est bien. Mais montrez-nous aussi les œuvres que vous faites. Et ça serait aussi bien. Voilà. Donc, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je crois qu'il n'y a plus d'image, hein, Laurent. Donc, il y a une autre image qu'on va nous montrer. Merci en tout cas à l'équipe technique pour votre sérieux, votre mobilisation, votre engagement. Ouais, on va l'annoncer. Voilà. Donc, pas de souci, Popo, merci. Merci de me le rappeler. Et voilà. Donc, je crois qu'il n'y a plus d'image. Et on n'a pas l'image de l'orphelinat à l'intérieur, non, il n'y a pas. Sinon, c'est pas grave. Et l'image des orphelins en Russie. Je crois qu'on peut retrouver ça sur le site du Pain Quotidien. Photos, sur les photos. Ce serait bien de montrer ces enfants aussi aux frères et sœurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces choses? Dieu travaille. Moi, j'aime mes amis voir mon Dieu loué, glorifié, et les âmes libérées. Et aussi, vous savez, en tant que chrétien, hein, nous sommes appelés par le Seigneur à être des producteurs d'épreuves. Des hommes et des femmes qui produisent, n'est-ce pas, des œuvres, des preuves qui honorent Dieu. N'est-ce pas? Il est dit dans Galates, dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le faisions. Voyez? Donc Dieu a préparé toutes ces œuvres-là. Ce ne sont pas nos œuvres, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Et il nous fait rentrer dedans. Être chrétien, c'est être pragmatique. C'est être concret. C'est être dans l'action. C'est être, mes amis, dans l'œuvre, dans le travail du Seigneur. Et dénoncer, c'est biblique, c'est bien. Et mais produire des œuvres, c'est aussi bien, parce que la meilleure manière de dénoncer, c'est de travailler. Voyez, comme Néhémie, il faut travailler. Comme Esdras, il faut travailler, n'est-ce pas? Nous n'allons pas finir la souffrance de la terre, mais nous voulons être fidèles dans les choses que Dieu nous donne à faire. Voilà. Et chacun, là où Dieu l'a établi, est amené à agir ainsi, à répondre fidèlement à l'appel du maître. Et il y a un passage dans 1 Jean 1:18. Alors, 1 Jean, nous sommes dans 1 Jean, chapitre, chapitre 3, pardon. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. Aimons par les œuvres. Voilà, c'est ce qu'on vous a montré. Nous sommes dans la parole. Donc, il faut pas seulement aimer en parole, il faut travailler. Donc, j'encourage tous les enfants de Dieu qui aiment la vérité, qui veulent aussi dénoncer le Babylone, je les encourage aussi en même temps à produire des œuvres, à ne pas rester derrière son ordinateur pour parler, mais aller sur le terrain, aller travailler, aller, n'est-ce pas, asseoir les choses, aller, n'est-ce pas, produire des œuvres qui honorent le Seigneur. Et ça, c'est aussi l'évangile. Donc voilà, nous ne voulons pas
chanter parce que Dieu agit. Nous ne voulons pas nous glorifier parce que Dieu agit. C'est pas ça l'objectif. Comprenez notre message. Mm-hmm. Et nous ne voulons pas exposer non plus ceux qui viennent demander la nourriture. C'est pas ça notre vision. Et nous ne voulons pas, quand la main droite donne, que la main gauche le sache. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de vouloir faire. Mais nous avons voulu rester biblique en vous montrant aussi le travail qui se fait ici et là pour que vous soyez au courant. Parce que, vous savez, avec Internet, on peut paraître, on est éloigné les uns des autres tout en étant rapproché. Hein, via les images, et on peut aussi paraître, on peut avoir l'impression de se connaître alors qu'on ne se connaît pas. Et c'est pour cela que de temps à autre, c'est important de vous dire concrètement ce qui se passe, afin que vous ayez des bonnes informations pour pouvoir fermer la bouche aux contradicteurs, aux méchants, aux jaloux qui n'aiment pas le Seigneur. Voilà, une dernière image, je crois. Voilà, donc, mes petits enfants, disait Jean, l'apôtre de l'amour, n'aimons pas en parole, ni avec la langue. Donc, parler matin, midi, soir, sans œuvre, sans fruit, ça sert à rien. Il faut sortir, aller à la rencontre des gens et travailler. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Au nom de Yeshua, et les œuvres se font comme ça. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Donc, il y a une journée de la jeunesse, hein, donc ce samedi, à partir de quelle heure? Midi. À partir de midi, c'est au 24 ici à Évry. Donc, 26. 26 à Évry, donc une journée avec la jeunesse. Et tous les jeunes sont qui veulent venir, donc vous êtes libres, hein, donc de venir ou pas. Et puis je pense qu'on pourra aussi distribuer quelques Bibles, donc ce jour-là. Et puis nous serons le 9, à partir du 9, nous serons aux Antilles, donc à Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Martin. Et donc on vous donnera, on va commencer à mettre ces informations dès ce soir ou dès demain sur TV de Vie. Voilà. Et merci en tout cas à tous les frères et sœurs qui travaillent dans cette vision, dans cette mission que Dieu nous a confiée tous. Parce que c'est une vision, c'est pas une église. Et merci en tout cas pour vos prières, pour vos soutiens. Merci parce que avec les dons et les grâces que Dieu vous a donné, vous faites avancer les choses. Et je voulais personnellement, n'est-ce pas, vous dire merci et vous encourager à travailler encore main dans la main pour que le nom de Yeshua soit glorifié, sachant que Yeshua est en train de revenir et que nous allons bientôt partir lors de l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Donc, il n'y a plus d'image, l'équipe. Hein, donc, de toute façon, on aura une autre émission où on va vous montrer d'autres détails au nom de Yeshua. Et voilà, que Dieu soit glorifié pour son œuvre. Ok, je crois qu'il y a une image par rapport à la Russie. Et on a aussi beaucoup d'enfants là-bas en Russie, hein, qui sont nourris, qui sont encouragés. Et au nom de Yeshua. Et voilà, donc qui sont... voilà, Dieu travaille. Et je suis personnellement beaucoup encouragé de voir comment ces équipiers travaillent. C'est beau. C'est glorieux, c'est magnifique. Et de voir l'engagement, l'amour pour les âmes, l'amour des âmes qui les animent, l'amour de la vérité, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Israël. Voilà. Nous répondons avec la parole. Voilà, c'est ça l'évangile. Pour pouvoir éclairer les frères et sœurs. Et voilà, un mot de la fin, en attendant que l'image vienne. C'est vrai que ce sont des choses qu'on oublie. On oublie souvent, en fait, hein, ces œuvres-là, s'occuper des veuves, tout ça, des orphelins. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Beaucoup l'accent aussi dans la prédication, tout ça, mais être sur le terrain, le pratique, on oublie ça souvent. C'est vrai que mettre l'accent aussi sur ça, ça serait aussi bien. Amen. Vraiment. À prendre à cœur, justement, ces enfants violés, ces enfants dans la rue. Et c'est vrai que. On ne met pas l'accent dessus. Et on ne peut pas parler, on ne peut pas avoir une telle vision sans, bien sûr, parler des besoins qu'il y a pour leur venir en aide. Ouais. Edwige, tu voulais ? Non, moi, ce que je voulais simplement dire, que c'était une très bonne chose, en fait, que toutes ces choses soient mises en place, parce qu'on le voit bien en France, il y a pas mal d'associations. Il y a le Resto du Cœur qui a 30 ans aujourd'hui, et ce sont des gens qui sont derrière, qui travaillent, et le besoin est là. Et je pense que dans nos pays qui sont pauvres, c'est encore le besoin est encore plus important qu'ici. Donc je pense que c'est bien ce qui est fait.
Mais je pense qu'on peut encore faire plus. Amen. Grâce à Dieu et c'est une bonne chose. Amen. La cause des enfants et des personnes en difficulté, je sais que c'est une chose que, qui me tient beaucoup à cœur et que Dieu soit béni. Amen. Et ça, c'est que le début, c'est vrai. Donc, il y a une épicerie solidaire, je crois, à Niort. Hein, beaucoup de gens sont nourris là-bas. C'est impressionnant, que Dieu soit béni. Il y a une épicerie solidaire à Angoulême. Beaucoup sont nourris aussi. Merci en tout cas pour votre travail. Il y a une épicerie en Guadeloupe. Merci pour votre travail. Il y a une épicerie donc à Courcouronnes, c'est la première. Il y a une épicerie chez vous, au Bourget. Donc, où beaucoup de gens sont nourris à Sarcelles. Où beaucoup de gens sont nourris. Je crois qu'il y en a une aussi, si je ne me trompe, à Créteil, où les gens sont nourris. Et les frères et sœurs saisissent la vision et diffusent massivement. Et on se rend compte des besoins qu'il y a chez des chrétiens qui viennent et qui nous disent on n'a pas à manger depuis 2 ou 3 jours. Et c'est impressionnant. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il faut leur venir en aide parce que c'est la parole. On n'encourage pas l'oisiveté. N'est-ce pas, la dépendance vis-à-vis des hommes, mais nous voulons, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, leur venir aussi en aide, c'est aussi cela, l'amour, la parole, l'évangile. Que Dieu soit béni, merci pour votre soutien, pour votre patience, et on vous laissera comme le standard de nouveau fonctionne, vous aurez cette semaine le temps d'appeler pour poser toutes vos questions. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, dans la paix du Seigneur, et merci aux frères et sœurs qui nous ont soutenus hier, qui nous ont encouragés hier à Berlin. Vous étiez nombreux à être là. On n'a pas l'image, hein? Ah ben, on va finir avec l'image de Berlin. Voilà. Donc, on a été beaucoup encouragés, hein? Vraiment, c'est beau ce que le Seigneur a fait là-bas. Et Dieu travaille. Les voleurs, les faux pasteurs ont tout fait pour empêcher les chrétiens de venir. Il y en a quand même qui sont venus. C'est quand même impressionnant. Que Dieu soit béni pour son œuvre. Voilà. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Au nom de Yeshua. Voilà. Rassemblement à Berlin. Donc, voilà, c'était hier et avant-hier. Voilà. J'ai pu filmer avec mon petit caméscope de secours. Donc, les gens sont venus. Les gens sont venus de. Voilà. Pour. Voilà. Là, c'est des personnes qui s'étaient levées pour le baptême. Voilà. Pour recevoir leur baptême. Merci Seigneur. Dieu travaille, Dieu a libéré, guéri, fortifié son peuple. Voilà. Dieu est fidèle, mes amis. Le Seigneur travaille, bénit son peuple, guérit son peuple. Voilà. Voilà, donc je crois qu'on peut... On finit là, donc on vous donne rendez-vous demain. Et 20h30 heure de Paris pour une nouvelle émission à la gloire de Yeshua. Amen.